Au regard du niveau élevé d'azote volatile, le critère mesuré pour évaluer le niveau de décomposition des produits de la mer décelés dans les boîtes de sardines de marque Belleville, les autorités gabonaises ont décidé d'agir. Après un retrait de ces boîtes sur le marché des semaines plus tôt, il était temps de passer à une autre étape, l'incinération. Aujourd'hui, nous assistons là à la destruction de ces sardines de marque Belleville qui ont été retirées du marché avec la collaboration, il faut le dire, de l'importateur. Mais il faut quand même préciser, pour éviter les effets de psychose, que la marque Belleville ne se limite pas aux sardines. Et il y en a, vous en trouvez aussi bien pour les tomates, marque Belleville, que les conserves de Maquereau Belleville. Et donc, le produit qui a été décrété impropre à la consommation concerne uniquement les sardines. Pour prévenir tout risque d'intoxication alimentaire, plusieurs tonnes de sardines de cette marque ont été retirées du marché. À l'issue de l'opération de retrait organisée, UI a retiré 2222 cartons du marché, comme je l'ai dit tantôt, aussi bien à l'intérieur du pays qu'ici à Libreville, dans le Grand Libreville. 2222 cartons, vous avez pour 11 100 boîtes, soit 13 800 tonnes. En cas de réapparition de ces boîtes de sardines sur le marché, il est donné aux consommateurs la possibilité de réagir à travers un numéro vert. Nous ne cessons d'appeler donc à la vigilance des consommateurs et à rappeler notre numéro vert, le 80-85, qui est le numéro vert de la DGCC, à partir duquel vous pouvez nous joindre à tout moment. Si jamais ces boîtes sont encore trouvées à certains endroits, dans certains commerces de proximité, pour que nous puissions déployer des équipes qui viendront tout simplement les retirer du marché. L'incinération de ce jour concerne des boîtes de sardines produites en Chine, tout comme leur commercialisation, leur importation est désormais interdite.